Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici tout simplement la vidéo où je vais réagir au nouveau clip de Michou. Les gars, je vais mettre une note, je pense, à la fin de la vidéo sur le clip et une note sur la musique. Là, je vais pas vous mentir, j'ai déjà écouté le son plusieurs fois. Mais du coup, je l'avais écouté en live. À la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit bilan de ce que j'en pense de ma première écoute, entre guillemets. Donc voilà, nous, on va directement analyser, écouter, donner mon avis, etc. sur le clip de Michou. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 60 000 à lâcher le petit pouce bleu. Objectif 5 000 pouces bleus. Et puis, bon visionnage. Les potes, c'est parti, on va écouter Michou Fier, le clip officiel, qui a vraiment bien marché au niveau des likes et tout. Et Michou, dans le club, lui qui avait eu quand même pas mal de dislikes. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous préférez dans le club ou Fier? Perso, moi, je préfère largement Fier, mais alors de loin, hein, mais littéralement de loin. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, c'est parti. WebMedia, attends. WebMedia est imprès. Ok, je sais pas ce que c'est ça, mais ok, bon, ça m'étonne. En vrai, je pense que WebMedia est quand même pas mal Michou, c'est ce qui permet de faire autant de choses, quoi. Katsuki. Katsuki. En vrai, son chien est beau. Les gars, je vais mettre pause plein de fois, les gars, je vais mettre pause plein de fois. Mais en vrai, autrement. Et l'instru, j'aime bien, moi. Moi, je trouve l'instru vraiment lourde. Ah. Michou, là. Michou, tu fais comment pour jouer, là? C'est quoi, WebMedia? Ils ont plus de thunes, comment ça se passe, là? Ils ont même plus d'argent pour brancher le micro là. Oh là là là, c'est quoi ce clip Michou? Je rigole, je rigole, je rigole. En vrai, franchement stylé, franchement stylé. Je pense que pour privatiser des trucs comme ça et tout, il doit falloir des autorisations et tout, donc... Charbonné, ça date pas d'hier, hier. Pour mes parents, je donnerai tout, je les rends fier, yeah, hier. Le parcours est en acier, dur comme fer, yeah, hier. J'en ai jamais... Ah les gars, je vais mettre pause, les gars, je vais être chiant, je vais être super chiant. Je tiens à dire que une des vidéos que j'ai vraiment kiffé, et quand je vois sa mère, ça m'y fait penser, c'est aux histoires paranormales. J'avoue que cette vidéo-là, vraiment, je l'ai kiffé sa mère. J'étais en mode, mais what the fuck? Genre, tu sens, si vraiment elle mentait, je serais choqué, tu vois, je serais tellement déçu. Mais elle était tellement sincère et tout, j'étais choqué, vraiment. C'est une vidéo qui m'a marqué un petit peu, tu vois. Donc vraiment... C'était pas facile. J'ai dû bosser, j'en ai bavé, j'ai tout donné. Là, je peux vous mentir, je trouve que ce refrain-là, tu sens qu'il y a un peu trop d'autotune et que sa voix, elle est pas ouf. Je vais vite faire. On va sûrement le voir plus tard, mais moi, ce que je trouve le point fort de sa musique, c'est vraiment les refrains, je les trouve vraiment cool. Par contre, tout ce qui est pas refrain, je trouve il aurait pu faire vraiment mieux. Après, la voix, ça s'entraîne, quoi. Donc, forcément, bah, voilà, c'est son deuxième clip. Mais en vrai, c'est un peu le point faible. Même pas d'abonnés, papa et maman furent donc les premiers. Je m'arrêtais jamais malgré les moqueries de certains amis aujourd'hui. En vrai, les gars, on n'est pas là pour écouter la musique. Là, j'aime bien aussi dans le clip, c'est le petit tchèque là, avec son daron à côté. Son daron, c'est un tueur en vrai. Avec le petit tchèque là, regardez la petite. Juste ici, regardez. Aujourd'hui, ça a changé. Ah là, la petite Porsche. J'ai toujours eu cette lueur d'espoir. J'étais tout seul solo dans le noir. Ah ouais. Et malgré qu'il refusait d'y croire. Ouais, en vrai, la musique là, je suis. Frérot, moi j'ai charbonné. Ça. Là, le refrain, moi je kiffe vraiment le refrain. J'aime vraiment bien. Je kiffe bien le refrain. Pas d'hier, hier. Pour mes parents, je donnerai tout. Je les rends fier, hier, hier. Le parcours est en acier. Dur comme fer, hier, hier. J'en ai jamais eu assez. Je suis déter, hier, hier. Tout le monde veut ma vie. Ah oui. D'ailleurs, je me posais une question. Timout, est-ce que Timout, genre, il a une chaîne YouTube ou pas Timout d'ailleurs? Ah ouais, mais il est... Mais what? Mais Timout, c'est une star? Ah ouais, Timout, c'est une star, hein. Ah, j'avoue que Timout, c'est une star, hein. En vrai, tu dois... Genre, Timout, il doit tellement être content de son pote, ça doit être incroyable. Faut que tu prennes ton temps et des bons amis, solides. Pas là pour l'argent, je me balade tout seul dans la nuit. Ok. Mais qui est là par intérêt? Avec le temps, j'ai capté leur vice. Y'a que le buzz qui les intéresse, je veux pas être obligé de me cacher. Alors, oula. Alors là, par contre, là, Michou, peut-être qu'il regardera ses vidéos, j'en sais rien du tout. Là, pour moi, c'est vraiment la catastrophada. Là, c'est... les paroles sont vraiment pas ouf. Ta voix, c'est pas ouf. Là, c'est vraiment, moi, je trouve, là, c'est le moment du clip que je trouve le plus négatif, entre guillemets. Le reste, j'aime bien, surtout le refrain, comme j'ai dit. Mais là, je trouve... Obligé de me cacher ou par un fanatique menacé. Pour vous, je donne mon temps, je donne mon énergie. Donc, je me dois de serrer mes lacets. Je prends pas la grossette, faut que vous le sachiez. Frérot, je serai jamais un lâche. Jamais on pourra me tâcher. C'est Miguel, pas Michou à la tâche.
Frérot, moi j'ai charbonné. Ah, c'est pas, j'ai pas trop kiffé le truc éclaté et tout, mais bah, comme, bah, après ça repart sur un refrain que j'aime bien en soi. Le refrain, j'aime bien. En fait, moi j'aime bien les musiques un peu mélodieuses, tu vois. Et en fait, ta voix elle accroche un peu, je trouve. Après, forcément, le défaut du clip aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autotune, mais ça, j'ai envie de dire, bah, quand t'es pas chanteur, voilà, t'es un peu obligé forcément de. Et puis en vrai, tous les chanteurs maintenant mettent de l'autotune, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu trop. Ça date pas d'hier. Pour mes parents, je donnerai tout. Je les rends fiers. Non. Le parcours est en acier, dur comme fer. J'en ai jamais eu assez. Je suis J'aime l'été. bien ça. Frérot, moi j'ai charbonné. Ça date pas L'instru est d'hier. vraiment lourde, hein. Pour mes parents, je donnerai tout. Je les rends fiers. Le parcours est en acier, dur comme fer. Albert. J'en ai jamais eu assez. Je suis l'été. Non, franchement, vraiment, moi la mélodie, de toute façon, je vais mettre les notes sur 10 juste après. Hein. Ouais. Le petit gâteau là? Michou my life! En vrai, au niveau du clip, il est moins bien quand même que dans le club. Hein. Je mettrais quand même un. Moi, en vrai, après, il est basique, mais j'aime bien, tu vois. Je mettrais un 7,5 sur 10 sur le clip, voilà. Au niveau de la mélodie, franchement, je mettrais un 9,5 sur 10. Je kiffe vraiment la petite mélodie. Elle est super ambianciante. Ambianciante, ouais. Elle est super ambianciante. Non, franchement, la mélodie, je kiffe de ouf. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau des paroles, là, par contre, j'avoue que en fait, les paroles, il y a des moments, elles sont bien, il y a des moments, elles sont moins bien. Je mettrais un 6,5. Au niveau de la musique, de manière générale, je mettrais un 6 sur 10. Tu vois. Parce que c'est bien. Mais il peut faire vraiment mieux, tu vois. Franchement, juste. Ah ouais, le refrain, prendre le refrain, je mettrais un 7 sur 10, ouais. Et ouais. Mais moi, le petit bémol, c'est vraiment. Il y a des passages, en fait, où t'entends que. Voilà, faut encore un petit peu d'entraînement. Mais honnêtement, je lâche mon petit pouce bleu. Et mon petit commentaire. GG, t'es le boss. Non, en vrai, franchement, honnêtement, les gars. Voilà. Même si, voilà, il y a des trucs, moi je dis c'est pas ouf, c'est pas ci, c'est pas ça. Faut savoir un truc, c'est que je fais clairement pas mieux. Bref, honnêtement, gros GG à lui. C'est voilà, c'est des premières, hein, c'est des premières, donc forcément, voilà, c'est des premiers G, donc ça va s'améliorer. Honnêtement, moi j'aimerais bien faire un son, mais j'avoue qu'il faut quand même avoir des couilles. Parce que les gars, vous en rendez pas compte, parce que vous êtes pas forcément youtubeur, streamer et tout. Mais quand tu sors ça, t'es pas bien, tu vois, les avis et tout, tu sais. En fait, t'as envie de le faire, mais tu te dis. Tu sais que ça va être nul, enfin, tu sais que t'es pas chanteur, donc forcément, quand tu te compares à des Gambi, des PLK, des enfin, bref, des Ninho, etc., tu leur arrives pas du tout à la cheville, donc bah, t'as un peu peur de te lancer, bah, comme bah, par exemple quand t'es youtubeur, t'as peur de te lancer parce qu'il y a des gros youtubeurs qui font des grosses vidéos et tu te dis, ouais, mais moi ça va être nul, du coup ça sert à rien que je fasse des vidéos, bah c'est un peu pareil pour nous, tu vois. Nous, bah on va pas faire des musiques parce que d'une, c'est pas notre métier, parce que c'est un métier, tu vois, et par rapport aux autres, bah c'est de la merde, tu vois, mais faut quand même oser, faut porter ses couilles tout simplement. Et gros GG à lui pour les avoir portés et faire des trucs quand même potables. Hein, parce que quand je vois 422 000 pouces bleus, pour 14 000 dislikes, je pense que les gens ont kiffé. Donc bah gros GG à lui. Non, franchement, moi je trouve. Et franchement, notre troll, je la trouve mieux que la musique de Squeezie avec Gambi. Hein, notre, moi je la trouve bien. Hein, ça va, hein, c'est bon, ah, c'est sûr, c'est pas les gars. Vous êtes habitués à du PLK, du Gambi, du tout ce que vous voulez. Forcément, c'est nul, tu vois. Mais pour un mec qui fait pas ça, ça va. Hein, en vrai, c'est bien. Mais oui, mais forcément, vous êtes habitués à des gros sons. C'est normal. C'est comme si tu conduisais une Lamborghini et que tu conduis après, genre, juste une Mercedes. Tu trouves ça éclaté, tu vois. Normal. Notre rôle, moi, je trouve ça potable. Mais ouais, moi, à la limite, j'aime bien. Hein. J'espère en tout cas que vous avez bien kiffé cette petite réaction. Moi, bah, j'ai kiffé de ouf, en vrai. Le son est pas mal. Bref, je vais pas en reparler, etc. Je compte sur vous pour vous abonner. On est bientôt 60 000, donc abonnez-vous. Lâchez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo.